C'est absolument beaucoup trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog aux États-Unis. J'y crois pas que je dis ça, je vous jure, j'y crois pas. On s'envole pour SF, San Francisco, tout de suite là, enfin pas tout de suite, hein. Dans une demi-heure, mon père vient nous chercher. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent, on a laissé les chiens chez mon papa. Et ceux qui ne nous connaissent pas, mais bienvenue globalement sur cette chaîne où vous trouverez des États-Unis. Et du Disney. Et le combo de temps en temps. États-Unis, Disney. Disney aux États-Unis. on a tellement hâte, je ne sais même plus par où commencer. Comment finir. Donc c'est parti, nous sommes le 2 mai. Let's go. On va à l'aéroport de Nice pour Londres. Et après Londres, San Francisco. De toute façon, on vous prend avec nous. On a déjà fait les États-Unis plusieurs fois. Vous avez les vlogs sur ma chaîne. Là on retourne dans l'Ouest américain, coup de cœur. On va pas faire exactement les mêmes choses au même moment, mêmes endroits, on va rajouter des choses, enlever des choses. Enfin vous venez avec nous de toute façon, c'est trop bien. L'excitation se fait sentir. Bon, on va se préparer un minimum quand même. Et on vous embarque. Franchement on a eu que des problèmes, c'est un truc de fou mais c'est pas grave, on part. On n'a pas réussi à faire l'enregistrement en ligne hier alors que c'est 24 heures avant à cause du Covid en fait, parce qu'on part avec British Airways, enfin peu importe en fait, mais il faut plein de papiers pour repartir aux États-Unis, prouver le vaccin, prouver le test négatif qu'on a fait hier, etc. Et c'était très compliqué, on pouvait pas le faire en ligne donc on l'a fait là. Bien sûr bah, on a forcément des places dans l'avion qui sont vraiment pas bonnes du tout en fait, on est au milieu du milieu. Dans le vol Londres-San Francisco, on est dégoûté. Moi je suis malade en avion, enfin bon bref. Vous avez le focus derrière, c'est magnifique. Je suis trop. Ah c'est mieux, j'ai fait le focus sur moi. Ouais donc voilà, on est un petit peu dégoûté. Moi je suis malade en avion, je suis pas bien. Oui c'est mon choix, hein. c'est mon choix de voler. Mais j'aurais préféré avoir des meilleures places pour tout vous dire. C'est comme ça, on aura vraiment des très très mauvaises places. Mais c'est pas grave, on arrivera à San Francisco quand même. Même par terre ou même dans la soute, peu importe, on y arrivera. Mais ça va être un peu plus difficile que prévu. Donc voilà, là on attend pour passer la mini sécurité qu'il y a après pour aller à Londres. Parce que c'est pas l'Europe. Et voilà, on va se manger un petit truc et puis c'est parti. Voilà notre petit déj de roi. Et ça y est. On refait parce que j'ai foiré. On refait la prise parce que j'ai foiré. Alors, on a passé la sécurité et la douane. La douane, voilà. Je savais plus ce que c'était qu'on avait passé pour aller au Royaume-Uni. Si mauvaise. J'ai mon masque, hein, vous inquiétez pas, mais on a bu et tout ça. Donc, c'est plus obligatoire en vrai, mais. Je pense vraiment qu'ils s'inquiètent. Non, je pense qu'ils s'inquiètent pas. Si vous voyez les vlogs, c'est que tout va bien, on a survécu. Écoutez, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. On a des places pourries, mais c'est pas grave. Mais on est contente, n'est-ce pas, Mitch? Très contente. Ouais, on est grave contente. On va mettre les petits bas de contention parce que la vieillesse. Non, c'est parce que j'ai des problèmes veineux, mais c'est très important. Il faudrait que tout le monde mette des bas de contention. Attention, ceci est un conseil du ministère de la Santé. C'est très important pour pas faire de phlébite. On va mettre les bas, on va boire et manger une dernière fois, puis on va embarquer. Oui. On va pas manger là. On va plus manger. Okay, on continue les bonnes nouvelles. Alors déjà, bon c'est pas très grave, mais Michel est parti ici faire la queue parce que vu que le vol est plein, alors que ça devait pas être plein, ils autorisent pas de bagages avec nous du tout. Donc il faut refaire la queue pour déposer les petits bagages. Et une autre bonne nouvelle, je devais faire un tatouage à San Francisco, assez conséquent, assez beau, assez symbolique. Et mon tatoueur vient d'annuler. Voilà, voilà. On est ravis, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est impossible de trouver un tatoueur, surtout à San Francisco. C'est le seul moment où j'avais le temps à San Francisco. Et déjà, moi, je l'avais contacté 2-3 mois avant. C'était très compliqué de trouver. Bon, voilà. Donc, à part des tatoueurs pas très très bons. Donc, c'est voilà, je suis ravie. Mais j'abandonne pas l'idée de mon tatouage. Pourquoi pas, comme Michel l'a dit, le faire en rentrant.
chez un bon tatoueur, j'en ai des bons dans ma ville, ou le faire plus tard dans un autre voyage. Bon, bref, je suis dégoûtée. Ça commence pas très très bien, hein, mais on va rester positif. Hein, vous êtes avec nous? On est positif? Ouais, on est positif. Allez. On a repassé la sécurité. Là, on fait un petit tour chez Boots. Michel voulait un petit cachet spécifique là de Grande-Bretagne. Et on va se prendre un tout petit truc à manger. Et puis se caler avant de réembarquer. Ce repas de chef. De chef, ça c'est le sandwich préféré de Mitch. C'est quoi en fait? Du poulet? Ouais. Et bon. Du stuffing. Et du stuffing. De la viande quoi. Hop, ça y est, on est dans l'avion. Super mal placé au milieu. Bon, moi on est au milieu mes couloirs quoi. On a eu des écouteurs, un petit coussin super confortable et une petite couverture qui ne focus pas. Et une petite couverture, pareil pour Mitch. Et petit écran avec les films. Le contrôle des frontières, c'était un truc de fou. On arrivait en même temps qu'un avion d'Inde. Il y avait un monde de malades, vraiment. On a attendu une heure et demie, mais super sympa. Ça dépend vraiment qui on a comme policier. Lui était vraiment super sympa. Il nous a demandé ce qu'on faisait là, combien de temps on restait. Enfin voilà, les questions habituelles, vérifier les passeports, etc. Donc là, c'est parti. On doit prendre un petit tram pour aller la location de voiture. Pour aller à la location de voiture, et on aura notre grosse voiture. On va vous faire un update voiture. Update voiture, c'est parti. Donc la voiture était beaucoup trop grosse en fait. On n'avait pas eu le choix pendant la réservation parce qu'il y a des problèmes de voiture aux États-Unis, il y a une pénurie. Elle était énorme et c'est Michel qui conduit et genre c'était trop compliqué en fait. Il n'y avait pas de frein à main, il n'y avait pas de truc. Enfin, déjà c'est des automatiques, bon, elle n'y arrivait vraiment pas. Donc la femme qui gérait les voitures nous a dit non mais laissez tomber, je vais vous en donner une plus petite, vous n'allez pas avoir un accident. Ok, donc on a une plus petite, sauf que dans la plus petite on n'a pas de GPS. Donc on s'en va en pensant avoir un GPS, on se perd. C'est pas possible. On se perd et on se dit oh là là, c'est pas possible, bon, où est-ce qu'on achète un GPS, c'est pas possible, il faut retourner à l'aéroport pour prendre un GPS. Donc on appelle à l'AMO qui dit ok pas de soucis, venez payer votre GPS bien entendu parce que c'est pas gratuit hein. Donc voilà, on a réussi à retrouver l'aéroport et à payer pour le GPS. Michel est parti payer. Ouais, voilà, que de péripéties. Mais écoutez, c'est pas grave, on est à San Francisco. C'est la merde, mais elle est pas mal la voiture, hein, je vous la montrerai. Mais c'est sympa. Voilà, je vous fais.
filme la voiture, regardez, elle est pas trop mal quand même. Ouais. Petite plaque californienne, je pense. Yes. Regardez, on dirait qu'on va dans le ciel avec le pont. C'est trop beau. C'est trop drôle. C'est un pont quoi, mais on dirait qu'on va dans le ciel. C'est trop drôle. Regardez, c'est le même pont. On est choqués, ça doit être normal à San Francisco, mais il est super long. Jusqu'à là-bas, là. On s'en va jusqu'à là-bas. Wow. Trop beau. Dis donc. Waouh. Ah oui, on vous a même pas dit. On va vers Yosemite. Yosemite. Donc on prend la route, on a un hôtel à mi-chemin. Donc voilà, comme ça vous savez. Voilà le premier hôtel qui est trop mince, super typique, avec rien autour, à part un McDo. Les Américains ne perdent pas l'habitude de manger. Et voilà notre petite chambre qui, franchement, moi je trouve adorable. Honnêtement, ouais, on n'est pas trop mal. Toujours petit frigo micro-ondes dans les hôtels américains. Petite vasque magnifique. Franchement, c'est pas mal du tout hein, pour un petit hôtel paumé. C'est une chaîne donc ça va quoi. On a la sécurité quand même. De la chose magnifique. Regardez-moi ces tableaux. Oh là 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 là. Et ben bien sûr, on a fini au McDo. Ça c'est nouveau, c'est un Fanta glacé, genre chelou. Tout est chelou de toute façon ici. Oh là là. Et chez nous c'est 4h du matin, on vient de regarder. Ici c'est 19h. Oh, on est au bout. C'est nous. Michel qui conduit est très concentré. Le fameux GPS est là. On a mangé McDo, franchement c'était très bon. Le truc bleu là que je vous ai montré, c'est très bizarre. Dégueulasse. Michel n'a pas approuvé non plus. C'est très bizarre, bah, ça avait un goût de fruits rouges. Ok, bon à la limite, mais qui pétille. Non, mais genre granita qui pétille, c'est très bizarre. Michel dit que c'est un goût de vanille. Non, c'est un goût de chimique. De chimique, bah bien sûr, on est aux États-Unis. Donc là, on va au Walmart qui est pas très très loin. Donc Walmart c'est comme Carrefour quoi, voilà, c'est un gros magasin. Avec un petit peu de tout. Et pour un peu acheter de l'eau, des petits gâteaux et tout, des chips et tout ça. Après, donc on retourne à l'hôtel pour dormir. Et demain, en fait, on n'est pas loin de Yosemite. On a fait, si vous voulez, entre San Francisco et Yosemite, une pause au milieu parce que c'est quand même assez loin. Mais voilà. Donc demain, hop, on continue pour aller. Pour aller. Demain. C'est comme si c'est moi qui parle. Demain, on continue. Donc demain, on continue la route pour aller à Yosemite. Voilà. C'est la fatigue. On est un peu fatigué, bah, comme je vous ai dit, c'est 5h du mat quoi, maintenant pour nous. Donc ça fait 24h qu'on est réveillé. On est fatigué. Mais on est au taquet. On est aux États-Unis. Mais c'est trop beau, franchement, là on est au milieu de rien. Enfin, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Trop beau. On se prend à Walmart. Ouais, je vais vous montrer un peu les produits ricains. Ça y est, on est à Walmart. Regardez, ceux-là, si vous venez, c'est les meilleurs gâteaux du monde. Regardez, il les décore des fois pour Noël et pour Halloween. On en avait acheté il y a quelques années. Donc, c'est parti. Oh, ils sont trop mimes. Mais eux, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est eux. On va prendre eux. Regardez, je vous disais, ils les ont décorés en mode Amérique. Il y a bah, ça aussi qui est en mode Amérique. Il y a ça qui est typique d'ici. C'est avec du riz soufflé. Il y a, oh, oh là là, tout ce qu'il y a, non mais tout ce qu'il y a. Ouh, là on est en Amérique de fou là. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Ok, vous m'avez perdu là, désolé mais voilà. Regardez les sandwichs, Michel m'a dit, mais regarde les sandwichs, ils sont énormissimes. Genre regardez ma main à côté, encore j'ai une main assez grande. Et là c'est genre un sandwich normal quoi, à côté. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ah, Michel m'a dit d'aller voir la pizza. La pizza. Alors, la pizza. Oh. Regarde. Je sais même pas comment mettre ma main par rapport à la taille.
Est-ce que vous voyez? Oh, mais vous voyez? Mais vous voyez ou vous voyez pas? Regardez la pizza, genre ma main, elle rentre 20 fois. Regardez les gâteaux. Oh, oh là là. Oh. Est-ce que vous voulez de la mayo ou des cornichons? Là, comme ça, ils ont l'air normaux, hein. Ils ont l'air, hein. Regardez mon doigt à côté. Regardez mon doigt à côté. J'en peux plus. C'est pas possible. Un petit florilège de leurs céréales de fouilles. Regardez ça. Franchement. Regardez ça. Pokémon. Au beurre de cacahuète. Tout. Ça, les Fruit Loops, c'est connu. Ça aussi, les Lucky Charms. Oh, pff, franchement, c'est un truc de fou. Oh. Ah, et là-bas, il y a des sachets. Attendez, on va voir. Parce que nous, on n'a pas ça. Oh, oh là là. Oh. Voilà. Si vous voulez des sachets de céréales. Eh bien, il y en a. Des sachets plus gros que vous. Hein. Waouh. Bien sûr, des bonbons et des chocolats. En veux-tu, en voilà. Oh, tout, 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 oh là là, regardez tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Oh, beurre de cacahuète, hein, globalement, c'est la vie ici. Oh, là, 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 là. Ça aussi, c'est connu, les kisses, c'est des petites, on dirait des petites crottes. Oh, waouh, les M&M's aussi, bah, à tous les goûts, toutes les couleurs, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Oh, waouh. Puis des petits packs. Hein, tout petit pack. Voilà nos achats. On a été sages, franchement. Je pense que c'est parce qu'on est épuisé qu'on a été sages. Sinon, on aurait tout dévalisé. Donc, on a pris ça parce qu'on a vu tous les Américains en prendre des chips. On a pris ça. Si vous me connaissez, c'est de la viande de bœuf séchée. C'est un délice. Et ça aussi en salé, c'est la base ici. C'est des petits poissons au fromage. On a pris les fameux biscuits. Ça, des petits muffins pour le matin. Coca, eau. Et je me suis pris, c'était en réduction, trop mignon, pyjama super doux, haut et bas, hein, rase moquette. Voilà, on a été franchement sage. Franchement. Voilà, on va clôturer avec ce magnifique bruit de clim. Oui, il y a la clim dans tous les hôtels ici, c'est tout à fait normal. Et puis bon, il fait tellement chaud que, on dirait pas avec mon pull, mais il fait très chaud. Voilà pour cette première journée. Alors je sais pas, je pense que les vlogs, je ferai deux jours en un vlog. Je vais voir. Soit vous avez la suite là, soit la prochaine fois. Donc le plan, c'est que demain, on va à Yosemite. Voilà. On dépose nos bagages. On a un hôtel à côté de Yosemite. Donc demain matin, et ensuite on va à Yosemite. Et le soir, on dort à l'hôtel. C'est le plan de demain. Et on espère que cette journée vous a plu. Nos péripéties aujourd'hui. On est là, il faut que je me repasse la prise, je suis tellement fatiguée. Donc on est là et c'est l'essentiel. Si vous avez... Oh purée! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à bientôt! Bye bye!